Bah, c'est trop, merci ouais, pour ce petit moment d'échange avec toi. Tu sais, au tout début de l'activité, Xavier, donc de la compagnie Un œil et puis l'autre, ouais, vous, SBL, a... ouais, vous avez fait un petit exercice avec des cadres photo. Oui. Voilà. Est-ce que tu sais nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait avec ces cadres? Il a pris la photo d'une plante, ouais. Et ça nous a fait ouvrir l'esprit. On a vu des dragons et Ouais, tout à fait. C'est à peu près ça l'idée, Xavier. Dans le mille. Ouais, dans le mille. Du coup, d'après toi, Pietro, ça vous nous a montré quoi en fait, ce travail-là avec les cadres? Ben, ça veut dire que l'imagination est plus importante que le réel, je veux dire. Ouais, sympa. Oui, en tout cas, c'est un moyen de d'arriver à diriger le regard autrement. À montrer qu'une image n'est pas forcément celle qu'on voit, ou qu'on peut arriver à montrer autre chose à travers une photo, quoi. C'est le début de l'éveil à l'esprit critique. Oui, et à l'art. Et à l'art, oui. Clairement. Moi, j'avais noté cette phrase que je trouvais très belle que tu as dit, c'est passer la frontière de l'imagination pour voir le monde autrement. J'ai dit ça, moi. Ouais, une poétique. Ouais, c'est incroyable. C'est comme mettre sa fadée aussi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose qui t'a servi, toi, en période, justement, en votre dans mes périodes les plus difficiles, oui. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et quoi? Par quelle forme d'expression artistique, par exemple? Par exemple, je marchais dans la rue et puis un truc tout banal, dans ma tête, c'était un autre... Oui, détourner le regard, ouais, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, tout à fait. Toujours un peu dans le même ordre de démarche, Xavier a affiché une photo avec un soldat et il vous a demandé, enfin il vous a dit que ça a été réalisé dans un contexte de tension, et il a parlé justement de la période de tension des attentats, c'est dans ce cadre-là que ça a été fait. Et tu te souviens, c'était qui ce militaire? Ouais, c'était le petit joueur. Ouais, c'est ça, ouais. C'était le petit soldat. Pourquoi est-ce que Xavier est venu avec ce soldat miniature Qu'est-ce qu'il voulait du coup vous montrer sur moi? Pour moi, c'était en rapport avec les fake news. Ouais. Pas croire tout ce qu'on voit et tout ce qu'on dit. Ouais. Et c'était pour moi la meilleure approche de prouver. C'était pas forcément la réalité qu'on voyait. Oui, c'est ça. Peut-être juste nous contextualiser un peu justement cette photo avec le soldat. Ça a été fait comment, Xavier? Oui, mais c'est une photo, il a mis le doigt dessus, fake news en fait. On se rend compte que la désinformation est fort présente. Qu'on a tendance à croire et à croire systématiquement ce qui est dans ce que j'appellerais les médias, parce que les médias ont pris un tournant majeur ce dernier siècle. Il n'y a plus que les journaux écrits, tout le monde peut s'annoncer journaliste, malheureusement. Et donc oui, le contexte, c'était le contexte des attentats de Charlie Hebdo, c'était le contexte un petit peu tendu, des militaires dans la rue, des policiers dans la rue, de la surveillance. Et moi qui travaille beaucoup avec des jouets, c'était l'occasion de faire une fausse vraie photo, en fait. C'est donc et donc de leur vendre un petit peu cette histoire d'un militaire que j'ai croisé, que j'ai pris en photo. Et en général, ça accroche parce que de loin, on ne percute pas forcément que ce soit un jouet. Et puis quand je leur annonce que je vais leur présenter, où ce qu'il est, et en fait, il tient dans une boîte. Et donc celle-là, on est vraiment dans l'éveil à l'esprit critique, quoi. Donc méfiez-vous de ce qu'on vous montre, de ce que vous voyez. Vérifiez vos sources, multipliez vos sources. Ne croyez pas bêtement forcément ce qu'on vous montre. Parce que ce qu'on vous montre n'est pas forcément ce qui est. Oui, c'est ça, il y a vraiment cette dimension d'esprit critique dans l'art, et puis aussi cette dimension de l'art comme moyen d'exprimer un point de vue. Oui. Et c'est ce que tu as continué à faire quand tu as travaillé avec le super Jésus qui a eu la cote. Ouais, par exemple, mais qui avait des chouettes débats en fait, et qui montre qu'on peut ne pas être d'accord sur plein de sujets, mais que l'art permet justement cette discussion, et on ne va pas rentrer fâchés l'un et l'autre, l'un sur l'autre, parce qu'on a parlé, ça permet juste en fait de pouvoir ouvrir des débats sur des sujets parfois un peu sensibles, quoi. Oui. En l'occurrence la religion, en l'occurrence la guerre ou autre, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et je crois que ce qui a fait aussi d'ouvrir le débat, même quand on avait des points de vue divergents autour d'une interprétation artistique, c'est que Xavier nous a parlé d'un cadre en fait qui s'est mis en tant qu'artiste. Et qu'il a choisi de se poser dans ce cadre de cette œuvre-là en particulier. C'était de ne pas être insultant à l'égard de l'autre. Du coup, ça a super ouvert discussion et ça l'a enrichi à des points de vue différents. Et c'est la frontière la plus délicate en fait. Ouais. D'arriver à ne pas se fermer à l'interlocuteur, de pouvoir ouvrir le débat,
Et là, sur des thématiques comme celle-là, on est vraiment sur une ligne, sur une ligne la plus dangereuse, quoi, parce qu'on peut vite tomber dans le penchant, machin. Par exemple, je sais très bien qu'avec mon corpex, ça ne serait pas passé. Probablement. Peut-être que si je lui en avais parlé, si on avait discuté ensemble, et c'est aussi ça l'importance de l'art, c'est que si j'avais juste suspendu mon super Jésus dans la classe, tu serais resté fâché sur moi, parce que je n'aurais pas pu t'expliquer mon point de vue. J'aurais demandé de l'enlever, quoi. Oui, probablement, oui. Que là, la force, ben, c'est que l'artiste est en face de toi, et que donc, on peut, et donc, t'as mon point de vue personnel, et pas quelqu'un d'autre qui va défendre mon travail, ou quelque chose pareil, quoi. D'où l'importance de moments comme ça aussi, qui rassemblent autour de l'art, parce que s'il n'y a pas ce moment de médiation, on peut échanger autour du point de vue sur l'art, on peut réfléchir sur l'art, dans un espace, voilà, comme une école, comme un centre culturel, enfin, un lieu de culture, on n'a pas cette possibilité d'échange et d'ouverture sur le monde que nous offre cette rencontre artistique, en fait, tout simplement. Et je trouvais aussi que ce qui était sympa dans l'approche de Xavier, c'est qu'il vous a aussi montré que l'art pouvait être engagé, comme dans ce moment-là, et donc ouvrir le débat, ouvrir l'esprit critique, enfin voilà, mais qu'il pouvait aussi servir à faire plein d'autres choses. Par exemple, si on pensait au fameux Sébastien Fayard avec, voilà, je sais pas moi, Sébastien Fayard sèche les cours, enfin, Sébastien Fayard se prend un coup de vieux, etc. Qu'est-ce que ça a pu nous montrer sur l'art aussi? Ben que ça peut avoir un côté amusant aussi. Ouais, c'est ça. C'est déformer les mots et ça peut... on pourrait croire que c'est pas beaucoup travaillé, mais avec c'est super travaillé. Oui, il y a de l'humour, il y a de la légèreté aussi dans l'art. Ça n'enlève pas le travail. Non, bien sûr. Mais ça, voilà, il y a du léger, il y a du grave, il y a de l'engagé. Ouais, ouais. C'est un langage multiple en fait. Hein. Oui, ouais, clairement. Recettes. Et le léger peut amener à des sujets plus lourds, quoi. Là, par exemple, le dernier exercice, qui est un exercice, je vais appeler ça délagage, leur faire sortir trois mots du comment ils ont vécu ce confinement, ben, c'est se reconnecter avec la réalité qui est passée maintenant, parce qu'on est en dehors du confinement, mais c'est arriver à mettre des mots, des intentions, et qui vont nous permettre demain de faire une série de photos. Alors, on va voir si on va être dans la légèreté ou pas demain, mais la légèreté peut amener de la réflexion aussi, quoi. Oui, c'est ça, et dépasser aussi... l'entre-soi, enfin pour s'ouvrir aux autres dans cette dimension aussi de création collective, et puis d'entendre les mots des autres, les perceptions des autres, c'est aussi ben voilà, élargir un peu son regard. Oui, clairement. Et puis la légèreté, elle est dans mon petit soldat, est particulièrement léger, ça reste un jouet au départ. Oui, clairement. Et donc ce jouet qui ne paye pas de mine amène un débat et une réflexion sur des choses plus graves. Oui, on joue à la guerre. On joue à la guerre, oui.